Comment est né le fil rouge? Eh bien, c'était une idée de bistrot. J'étais avec une copine, on a bu 2-3 verres, et puis j'ai dit, et puis si on allait regarder quelques incarnations à la suite, et puis de voir de quelle manière c'est en lien avec le présent. Et c'était le point de départ, c'est parti. Je crois que les quelques semaines plus tard, j'ai proposé le fil rouge comme un produit à des personnes qui allaient payer pour cela. Et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir présenter déjà ce que j'ai pu comprendre de cet outil en ayant pratiqué des centaines de fils rouges. J'identifie 3 aspects. Le premier, c'est l'aspect développement personnel. Et cet premier aspect, est-ce qu'il est thérapeutique? Peut-être un peu, peut-être pas forcément. C'est d'abord le développement personnel vise, comme le dit le mot, à aller vers une plus grande dimension de soi-même, ou être plus proche de soi-même, ou se réaliser beaucoup mieux. Tout ça est compris dans le développement personnel. Alors, le fil rouge au service de ce développement personnel. Tout d'abord, en comprenant la raison d'être sur Terre. Pourquoi suis-je sur Terre? Pourquoi êtes-vous sur Terre? Est-ce que vous êtes en exil? Est-ce que vous avez été parachuté? Est-ce que c'est une longue histoire d'amour ou de haine entre vous et la Terre? Ça, c'est vraiment une question fondamentale qui vaut la peine d'être éclairée. Ensuite, il y a aussi l'histoire de mieux se comprendre soi-même dans ses profondeurs en fonction de choses que l'on a répétées, des attitudes, des souffrances viscérales qui sont là, qui font partie de vous, mais qu'on comprendra beaucoup mieux dans une compréhension beaucoup plus large avec le fil rouge. Un autre aspect, c'est de pouvoir trouver ses véritables compétences. Pour certaines personnes, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Elles sont avocats depuis les Romains ou peut-être même depuis bien avant. D'autres sont bâtisseurs. Ils savent que c'est ça qu'ils font, qu'ils vont encore faire pendant les incarnations à venir. Ils n'ont jamais mis un questionnement sur leurs compétences. D'autres se demandent, mais qu'est-ce que je viens faire ici sur Terre? Quelles sont mes compétences? Qu'est-ce que je viens faire? Qu'est-ce que je viens apporter ici? Et qu'un fil rouge permet alors d'éclairer les compétences acquises et les réussites aussi. Parce que nous, on se construit sur nos réussites. Découvrir nos fragilités me paraît très important. Parce que c'est aussi une possibilité de pouvoir travailler dessus. Et puis, il y a la question du choix du sexe. Je m'incarne en tant qu'homme, je m'incarne en tant que femme. Est-ce que j'ai toujours été homme? Est-ce que j'ai toujours été femme? Est-ce qu'à des moments, j'ai passé de l'un à l'autre? Est-ce que c'est très semblable ce que je vis du côté féminin que ce que je vis du côté masculin? Etc. Tout cela est éclairé par le fil rouge et apporte un regard très frais et très différent sur ce qu'on appelle aujourd'hui le féminisme, des revendications sexistes et autres. Un dernier aspect de ce développement personnel, c'est celui de la dynamique de notre âme, de comprendre de quelle manière notre âme a surmonté ou est en train de réparer des histoires qui se sont déroulées. Nous pouvons être dans dans des actions de réparation. D'autres, ça s'est passé il y a très longtemps et aujourd'hui, ils sont sortis de là. Mais ils savent qu'une partie d'entre eux a été à un certain moment dans cette phase de réparation et que ça prend toujours une place importante de la vie. La dynamique de l'âme, c'est comment une âme, entre guillemets, se soigne de ses malheurs. Deuxième grand aspect du fil rouge, c'est de pouvoir servir à la résolution de nos crises de vie. Les crises de vie, tout le monde en a. Des petits, certains que des petits, d'autres ont des immenses crises de vie et sont toujours en crise et leur vie n'est qu'une seule grosse crise. Donc, comprendre cela par un regard beaucoup plus vaste que celui de considérer que notre vie a commencé à notre naissance ou à notre conception, ça donne une autre dimension à cette résolution.
résoudre ces crises de vie, ce n'est pas pouvoir poser une couche de peinture et se créer un état mental positif par-dessus un tas de merde. C'est pas ça, c'est de pouvoir vraiment comprendre où cela est généré, éventuellement aussi pouvoir agir sur le passé pour que le présent puisse prendre une autre dimension. Résoudre ces crises de vie, c'est comprendre le rôle de cette crise dans le présent. Et celle-ci, ce rôle-là, ne peut être compris qu'à travers le passé. On comprend aussi la nature. On comprend que ça vraiment, ça fait un sens. Une crise peut avoir un sens profond. Et rentrer dans un burn-out sans comprendre le sens du burn-out, c'est risquer de le reproduire. Un fil rouge est vraiment ce qui nous sert à ne pas répéter les choses bêtement parce que nous en comprenons la nature dans une dimension élargie. Le fil rouge permet aussi de clarifier la voie de résolution. Comment je résous un problème? Parce que je vois voir que ça peut avoir des ramifications anciennes. Je ne peux pas vous donner toutes les exemples maintenant parce que je pourrais parler de centaines et de centaines de fils de rouge différents où l'âme a résolu ses crises ou est arrivée en crise à cause de telle ou telle problématique. Là n'est pas le but. L'histoire, simplement que je vous explique, c'est que si vous êtes en crise de vie, le fil rouge va vous aider à comprendre votre crise et à aller vers une résolution. Le troisième aspect du fil rouge, c'est un outil pour construire un avenir. Mais cet avenir n'est pas seulement celui de votre retraite, c'est l'avenir de votre être dans le futur et je dirais surtout le déploiement de votre être. Si par exemple, pendant longtemps, vous n'avez été que femme ou vous n'avez été qu'homme et vous avez eu peur d'aller de l'autre côté. En prendre conscience vous permet de préparer cela, vous permet de comprendre qu'il s'agit de faire certaines choses très concrètes au niveau de développement personnel pour pouvoir ensuite embrasser l'autre aspect, l'autre polarité pour aller vers une version plus complète de vous-même. Cela aussi sur le plan professionnel, si vous êtes incarné toujours en étant bâtisseur, vous avez construit et construit et construit encore, il y a peut-être à un certain moment autre chose à développer que juste de mettre des pierres les unes sur les autres. Ensuite, il y a un aspect qui est celui de... c'est celui des récurrences. On a parlé des récurrences au niveau... au niveau professionnel et aussi des récurrences au niveau des situations bloquantes. C'est vraiment en les observant qu'on dit voilà, ça vaut vraiment la peine d'aller démonter certaines récurrences et de comprendre pourquoi elles sont générées et de pouvoir en sortir parce que c'est cela qui permet d'atteindre une autre dimension de soi-même et de se construire un véritable futur vers lequel on a envie de progresser et d'aller. Et merci de l'attention.